Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est Reaper et on se retrouve pour une vidéo découverte sur Anti-Skive. Donc Anti-Skive, c'est plus précisément un mode de Arma 3. Donc il faut avoir un jeu Arma 3 bien évidemment pour y jouer. C'est un mode qui ne requiert aucune installation, mis à part le serveur où je suis actuellement où il faut un launcher, c'est le serveur Pingas, le fameux serveur Danking You. Donc j'ai découvert ce jeu grâce à mon frère qui m'a montré des vidéos sur ce jeu, qui m'a dit vas-y achète-le, c'est un super jeu, bon bref. Voilà, donc j'ai fini par craquer et par acheter parce que j'ai vu pas mal de vidéos très surprenantes où il se passe toujours quelque chose, bref, quelque chose d'assez hallucinant. Alors, tout d'abord, je vais vous dire que sur les vidéos, certes, il se passe beaucoup de choses tout le temps, constamment, il se passe quelque chose, oui, mais c'est pas le cas dès le départ. C'est-à-dire que moi, personnellement, pour l'instant, je n'ai pas rencontré des événements très extraordinaire, très improbable. Je n'ai fait des choses que très basiques, c'est-à-dire vraiment trouver un métier, vendre, prendre, cueillir des pêches, les vendre, vraiment des choses très très basiques. Il se passe quelque chose là-bas. Alors je vais vous expliquer un peu comment marche le mode. Vous allez voir ce qui se passe. Il y a eu une explosion. Alors Anti-Skive, pour résumer, c'est un mode qui où vous faites tout simplement la vraie vie. Alors je vais vous montrer ensuite comment ça fonctionne. Juste aller voir ce qui s'est passé là-bas. Ah oui, il y a eu une explosion. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la guerre, attention. Une explosion, boum. Ça fait... C'est un accident ou c'est volontaire? Alors en parlant d'événements extraordinaires, c'est la première fois qu'il en arrive un aussi extraordinaire sous mes yeux. Sous mes yeux, rapidement, c'est pas vraiment le cas, mais c'est déjà un événement qui m'est pas souvent arrivé. Alors désolé pour les bugs FPS, c'est un jeu qui requiert énormément de Aucune performance. idée. Personnellement, j'ai un processeur qui commence vraiment à faiblir, donc oh putain, il est mort. J'ai un processeur qui commence vraiment à faiblir, donc disons qu'en termes de performance, je suis très très bas. Je suis entre 10 et 20 FPS pour dire. Donc je compte peut-être m'acheter une nouvelle config dès que j'aurai l'argent et la possibilité. Je commencerai par m'acheter un processeur et une carte mère pour pouvoir faire tourner ce jeu. Ce serait déjà très bien. Alors, ben, je vais vous raconter un peu comment fonctionne ce jeu. Alors en appuyant sur Y, vous avez l'inventaire. Pour l'instant, j'ai 20 000 dollars, je me suis un peu d'argent. Le permis de conduire qu'il faut absolument acheter si vous voulez conduire des véhicules de type basique, mis à part bateau, hélicoptère, ce genre de choses, vous avez besoin d'un permis un permis bateau, un permis pilote, un permis camion pour conduire un camion. Par la suite, qu'est-ce que j'allais dire? Il vous faut aussi un permis de port d'armes, je crois, sur ce serveur exclusivement pour porter les armes en ligne. Wow! Je vais m'éloigner. Oh putain! Les explosions sont vachement impressionnantes. Je n'ai perdu aucun point de vie. Je suis content de. Oh putain, c'est hallucinant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter les autorités compétentes avec le CUGR. Gros problème. Donc on peut contacter la police, bien évidemment, pour qu'ils viennent voir ce qui se passe. Malheureusement, ils ne viennent pas toujours. Déjà, il faut qu'il y en ait qui soient contactés. Déjà, il faut qu'il y en ait en ville. Donc là, c'est la carte. On voit les policiers avec des sortes de véhicules bleus. Alors, pour vous montrer un peu comment ça marche, là on est à Kavala, c'est la ville dite principale, où il y a des règles strictes, c'est-à-dire que les rebelles ne peuvent pas nous braquer. Alors, la pharmacie, bon, la carte est traduite en français, elle a été traduite par un Kingu. Le vendeur de licence, c'est là où il faut acheter la licence.
Et concessionnaire, c'est là où vous pouvez acheter vos véhicules. Guichet bancaire pour retirer votre argent. Magasin général pour acheter par exemple les kits de premier les kits de réparation, les premiers secours, ce genre de choses. Le garage pour mettre votre véhicule dans le garage quand le serveur fait un restart, ce qui arrive toutes les 6 heures sur ce serveur, c'est-à-dire 8h, midi, 18h, minuit. L'hôpital si vous êtes blessé. La pharmacie pour aller acheter de la drogue, de la meth précisément. Le guichet bancaire, comme je l'ai dit, commissariat. Alors, il y a une poissonnerie, boutique de plongée. Bref, il y a plein de choses. Mission de livraison, concessionnaire à taxi, concessionnaire de dépanneur, si vous êtes dépanneur. Bref, il y a plein de possibilités. Alors, par la suite, la carte est très grande. Il y a une espèce de mur où il y a beaucoup de policiers pour contrôler les allées et venues des personnes qui transportent des marchandises illicites. Donc c'est possible de transporter des marchandises illicites. Par exemple, vous pouvez aller prendre de la drogue dans le champ de cocaïne et aller traiter la drogue dans le traitement de la cocaïne pour après la vendre à un dealer de drogue qui se trouve un peu partout dans la map. Il faut faire de l'essence dans votre véhicule, bien évidemment. Bref, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Je pense que niveau tuto, vous devrez en avoir pas mal sur le net. Alors, je vous verrai très bien les tutos qui sont disponibles déjà sur YouTube. Pour l'instant, je vais vous montrer des choses un peu plus intéressantes. J'ai pas beaucoup avancé dans le jeu. Je pense que je ferai des zaps. Pour l'instant, je fais une vidéo découverte Go Bang. Par la suite, je ferai des zaps pour vous montrer un peu comment les meilleurs moments dans le jeu. Parce que bon, c'est vrai que c'est un jeu, disons, RP. Donc il se passe pas toujours quelque chose d'amusant. Il se passe des choses très rarement. Il faut avoir la patience de jouer, la patience de découvrir le jeu pour vraiment voir des choses intéressantes. Ça, cette patience, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc je vais aller chercher mon véhicule dans mon garage. Je vais poser un point avec Shift et Click. Voilà, je viens de poser un point. Là, le point, normalement, je vois, il doit être. Waouh! Oh, fais attention, toi! T'as failli m'écraser! Waouh! Alors, il y a pas mal de bugs sur ce serveur. Déjà, le serveur n'est pas très stable et en plus, j'ai une config qui laisse à désirer. Donc, quand on est beaucoup, il peut arriver de voir des véhicules voguer, de voir des bugs de son, d'entendre des bugs de son, pas de voir. Donc, se faire écraser peut arriver. J'espère que ça ne m'arrivera pas lors de cette vidéo parce que pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Non, il fait très nuit. C'est bizarre. Il fait étrangement sombre. Alors je vais essayer de passer par là. Alors j'espère que prochainement je pourrai changer ma config pour faire des vidéos un peu mieux parce que niveau FPS je galère assez. Je vais vous montrer rapidement un concessionnaire et guichet bancaire. Parce que je vais aller retirer de l'argent pour histoire d'avoir d'argent sur moi et de pouvoir faire le plein d'essence quand j'en aurai besoin. Alors là c'est un joueur. Okay. Bon, le premier véhicule bien évidemment c'est les quads, d'où le fait que vous en voyez beaucoup ici. Magasin. Alors en fait je vais vous expliquer, le quad vous pouvez louer ou l'acheter. Le louer ben, vous l'aurez jusqu'à votre déconnexion, l'acheter vous l'aurez de manière permanente, tout simplement. Ça c'est la même chose pour tous les véhicules. Voilà. Rapidement, ensuite le guichet bancaire, il y en a un ici. Voilà, ça ressemble à ça, c'est un ATM. Alors vous appuyez sur la molette du milieu pour interagir. Là je vais me prendre 2 000 $. Voilà, fermé. On peut bien évidemment donner de l'argent à des joueurs, on peut en retirer, en déposer à la banque, comme vous venez de voir. Il y a des règles de RP, de jeu de rôle, dans ce serveur, comme par exemple allumer la lumière de son véhicule dans la nuit, respecter les limites de vitesse, c'est-à-dire c'est du 50 à l'heure sur les routes principales, les axes principaux de Kavala, 30 à l'heure sur les petites ruelles, et ça peut c'est 70 à l'heure sur les autres routes. Bon, bien évidemment, on est un peu tous du genre à légèrement dépasser les vitesses autorisées sur les grandes routes. Kavala, je vous conseille de les respecter les vitesses parce que la conduite n'est pas top dès le départ. Moi personnellement j'ai eu pas mal de mal à conduire dès le départ. J'ai eu vraiment énormément de mal.
Mais on finit par s'y faire. Ah, il fait très très nuit, j'ai pas de lampe, j'ai pas de torche. Je suis où là? Alors. D'accord, ok. Ouais, il doit être là, dans la voiture. On va essayer de trouver le véhicule parce qu'il fait pas très très jour là. Voilà. Donc là. Merde, c'est pas moi ça. You. Oh putain, je vois vraiment rien. Aïe, gars, c'est bon. Donc à garage de véhicule, je prends mon tout-terrain. Donc pour ressortir, je sais pas pourquoi, faut payer une somme. Ah, j'ai pas assez, je suis con. Quoique, si, si, j'ai assez, c'est bon. Donc là, mon véhicule vient d'apparaître. J'appuie sur U pour le déverrouiller. Voilà, je monte dedans. Et j'appuie sur L pour la rampe. Voilà, déjà on est mieux. U pour le reverrouiller, histoire que personne rentre. Oh, un camion qui vogue. Bon, bref, il y a pas mal de problèmes techniques. Hein. Alors, si vous voulez voir votre personnage, vous appuyez sur entrée du votre pavé numérique à droite, donc petit entrée. Une petite touche sympathique à connaître quand on ne connaît pas trop le jeu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mission de livraison parce que pour l'instant, bah, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'argent et je ne peux pas faire autre chose que ça. Je peux bien évidemment aller ramasser des pêches, mais c'est vraiment limité comme possibilité, on gagne pas beaucoup. On gagne vraiment, je dirais, 10 000 $ à tout casser. Et, 10 000 $, en sachant que 20 pêches ça fait 1 000 $, donc vous faites le calcul, vous pouvez mettre jusqu'à 10 fois. Même pas 1 000 $, non, 5 000 $. 5 000 $ par 100 pêches à peu près. Donc c'est très très peu malheureusement. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mission de livraison, je gagnerai dans les je sais plus, dans les 20 000 je crois. Je crois que c'est pareil la mission de livraison, je suis pas sûr. Alors là, peut-être que vous, de votre côté, vous ne me voyez pas, mais je tourne vraiment entre 10 et 20 FPS. Moi, personnellement, je le vois. Je suis très. Mon véhicule roule de manière un peu étrange. Alors, d'ailleurs, je crois qu'à midi, c'est quelle heure? C'est 11h49. Dans 10 minutes, il y a un reboot. Bon, bref, je vais essayer d'aller vite. À la limite, s'il y a un reboot, je couperai la vidéo et je vous reprendrai par la suite. C'est pas très très grave. Là, je sors de mon véhicule. Merde, je l'ai éteint. Ah d'accord, faut que je redéverrouille et que je sorte. Ok. Bon, pour l'instant, je connais pas tout. C'est un petit peu compliqué. Je le verrouille. Je vais aller voir ce petit livreur qui va me donner une mission. Ouais, obtenir la mission de livraison. Le gars, il me dit d'arriver à DP7. Alors DP7, on va monter dans un véhicule déjà. Voilà, l'essence, je la ferai en route. J'allume ça, je verrouille. Ok. Alors DP7, où ça se trouve? Alors je sais vraiment pas si j'aurai le temps de livrer là-bas étant donné que le serveur va se reboot. DP7, putain c'est où? Ça doit être super loin le truc. DP8. DP4. J'espère c'est pas dans en dehors de la zone. Alors. DP6. Oh putain, c'est pas là. Non, DP17. Putain, mais c'est où? Alors peut-être que je l'ai loupé. Peut-être que je ne regarde pas bien. DP7. Peut-être que c'est tout simplement. Non, DP1, DP8. DP7, putain, c'est où? DP10. Ah, DP7, c'est là. Ah ouais, c'est quand même un petit peu loin, c'est à Athéna, à Attira, Athéna, faux putain. Alors, je pense vraiment que j'aurai pas le temps. Je vais demander quand le serveur va reboot parce que je sens que je n'aurai pas le temps. Et si, vu qu'il reboot à 12h, si j'ai pas mis mon véhicule dans le garage, je le perds ou pas?
Alors je demande parce que si c'est pour que je commence à partir, que je déco et qu'après je reviens ici, autant que je coupe, que je vous coupe la vidéo tout de suite et que je vous reprenne. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même tenter. Je vais quand même tenter la chose. C'est pas grave si. Ouais, mais si je suis. Alors, si vous appuyez sur l'étoile dans le pavé numérique, ça vous permet de bouger la caméra. C'est pratique quand vous regardez à gauche, à droite, quand vous conduisez. C'est des choses qu'il faut faire quand on conduit pour éviter d'écraser quelqu'un. C'est bon, si vous faites une infraction de ce genre, même accidentelle, je pense que ça peut vous apporter des préjudices. Pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé, donc je ne sais pas. Alors j'espère qu'il n'y a pas de flic parce que là j'ai grillé un stop. Ouais, c'est bon. Ok, c'est parti. Bon, on a 11 km à faire. On va accélérer un petit peu. Moi je me mets en troisième personne parce que pour le moment niveau conduite je suis pas très expérimenté donc je préfère mettre comme ça pour éviter d'avoir trop de soucis. Okay, j'ai eu chaud. Alors ce que je vous conseille aussi c'est d'avoir toujours un kit de réparation sur vous et un kit de premier secours parce que là c'est un peu vraiment Arma 3 c'est vraiment un jeu de simulation donc ce qui fait que si, si vous prenez un mur, vous frôlez à mort quoi. C'est-à-dire si vous prenez un mur, bah, votre perso il crève. Vous avez pas besoin à une deuxième chance. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas trop rencontré de possibilités de faire du RP. Donc on verra peut-être sur la route. Je crois que je rencontrerai un joueur ou pas. À voir. J'espère que j'aurai largement le temps d'arriver à la zone. Donc, étant donné que j'ai un véhicule que je fais du 100 à l'heure, alors que la dernière fois je faisais du 70 à l'heure avec mon quad, normalement je devrais arriver à arriver plus rapidement dans la zone. Oups là. Ah, il y a un quad ici. Je sais pas qui appartient. Alors comme là je suis pas à Cavala, je peux me faire braquer par des rebelles, ça peut arriver. Ça ne m'est jamais arrivé, mais sincèrement, je ne demande que ça. J'aimerais que ça m'arrive pour voir un peu à quel point le RP est poussé. Ça serait vraiment intéressant de voir la chose, ou même de me faire contrôler par des flics. Ça m'est déjà arrivé lors de ma première partie, mais c'était vraiment oh putain de merde, aïe aïe aïe. C'était vraiment un pur hasard. Et c'était sympa. Je me suis pas vraiment fait contrôler, je me suis fait taser parce que je suis rentré à un véhicule de flic et ils m'ont poursuivi du coup parce que je suis rentré sans autorisation et c'était assez drôle. C'est sympa. Alors moi je vous conseille si vous êtes un amateur de jeux RP de bien vous renseigner sur le jeu, de bien vous renseigner sur les règles, de bien regarder un peu à quoi consiste ce jeu, ce petit bijou qui est ma foi sympa, parce que disons que si vous êtes très casual et que vous n'êtes pas amateur de jeux hardcore un peu, bon, à la limite ActiSafe c'est un peu moins hardcore que jeu original, mais là déjà on est sur quelque chose de beaucoup plus hardcore que les jeux auxquels je pense que vous avez l'habitude de jouer. Moi personnellement je reviens de ces jeux du genre un peu WarZ, Never, tous ces jeux un peu de survie et je dois dire que Arma 3 me paraît beaucoup plus costaud et je pense que DayZ qui est inspiré de la map d'Arma 2 avec graphisme d'Arma 3 je crois, de ce que j'ai entendu dernièrement, est beaucoup plus hardcore que ses concurrents. Alors là je sais pas du tout où je vais regarder la carte vite fait. Hop. Ah, c'est bon, je pense que je serai à bonne route. Allez. Alors c'est très rare de rencontrer. Moi pour l'instant ça m'arrivait très rarement de rencontrer des joueurs sur ce genre de route. On rencontre plutôt les joueurs à Cavala, ce qui est malheureux. Je pense que les joueurs devraient plutôt se répartir, aller un peu de tous les côtés, essayer de prendre un peu plus de risques
Après, peut-être que 100 joueurs, c'est peut-être pas assez. Peut-être pas assez pour jouer. Peut-être qu'il faudrait un peu plus de joueurs. Peut-être 200, ça serait déjà bien. Mais bon, pour ce genre de listing, pour avoir vraiment beaucoup de joueurs sur le serveur, je pense qu'il faut une bonne grosse machine. Je serais curieux de savoir sur quelle machine ils font tourner ce serveur. Étant donné que je m'y connais pas mal en gestion de serveurs et de machines type OVH ou 9.net, chez Serverzy en fait, je serais curieux de voir un peu sur quoi ils vont tourner ceci. Bon, je pense qu'on n'est pas loin d'arriver. J'espère que le serveur ne va pas reboot. Je pense qu'il y aura un message d'avertissement. Là, je passe en vie, là, je suis à 115 km/h, c'est un petit peu dangereux, mais je gère mieux qu'avant. De toute façon, du moment qu'il n'y a pas de taré qui me passe devant sur la route et que je ne prends pas le risque d'écraser quelqu'un, tout ira bien, normal. Ah, on roule beaucoup mieux avec un pick-up qu'avec un quad, hein. Pouah, c'est largement mieux. Oh, et ben, Mathis vient de poser la même question que moi sur le chat. Alors, on va pas tarder à arriver, on a 4 km de la zone. Je pense que dans pas longtemps il va falloir retourner. Voilà, la gestion jour-nuit est un peu bizarre, hein. Ça passe de jour à la nuit, la transition est vraiment étrange. Bon, j'espère que le reboot ne durera pas trop longtemps, histoire que je puisse vous montrer un peu plus sur ce jeu. Alors, sachez qu'une vidéo découverte a tendance à durer pas mal de temps, ça peut aller jusqu'à une heure une vidéo découverte. Après, je ferai essentiellement des apps sur ce jeu, des apps des meilleurs moments. Peut-être si vraiment je joue pendant 30 minutes et que pendant les 30 minutes c'est des actions constantes, je mettrai 30 minutes de vidéo. Mais bon, je pense pas avoir 30 minutes d'action constante. Après, ma foi, peut-être, je peux pas juger. Alors je vais m'arrêter là parce que... Allez, arrête-toi. Ok. Alors là, je suis où? Où je suis? Tiens, je suis où? Ah, d'accord. Ouais, je suis pas loin de ma poste rebelle. Je vais... Ok, je vais aller par là. Ok, donc il faut que je continue encore. C'est parti. Alors je peux aussi rouler comme ça. C'est quoi ça? Pourquoi il y a écrit ce message? Bon, ouais. Peut-être que ça va reboot. Ah non. Je pense que le serveur vient de reboot. Peut-être, je pense que je vais être déco. Ah oui, d'accord, j'ai plus rien qui s'affiche. Ah ouais, ça va reboot. Ah putain, fais chier. Au bout de 60 secondes, normalement, je pense que ça reboot. Bon, bah tant pis, les amis. Je pense que je vais couper. Je vous reprends juste après, ne vous inquiétez pas. Et on continuera la vidéo. Là, je pense que ça va crash dans pas longtemps. Non, même pas. Ah non, bah pour l'instant, je continue. Tant que ça crache pas. Si ça crache, vous inquiétez pas, je couperai. Alors, 72 secondes. Ce message est un peu chiant, mais c'est pas grave. Putain, ça va vraiment plus vite ce véhicule, c'est énorme. Ah, ouais, d'accord, ça a vraiment un goût. Bon, on se retrouve juste après. Eh bien, nous revoilà les amis, et je suis désolé, bon, il y a eu un reboot du serveur. Alors, entre le moment où il y a eu un reboot et le moment où je vous fais la vidéo, où je vous fais la suite de la vidéo, en fait, il s'est écoulé une semaine. pour tout vous dire, en fait, après un reboot, il y a eu une longue, très longue histoire. Disons que après un reboot, il y a eu un tas de bugs sur le serveur. Mon véhicule a fusionné avec un autre véhicule, il y a eu une explosion, bon bref, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon véhicule, je suis mort deux ou trois fois, j'ai perdu pas loin de au moins 8 000 dollars.
Ce qui fait que ben, j'ai tout simplement ragé et j'ai quitté le jeu pour essayer de recommencer sur un autre serveur qui buguait un peu moins. Bon là je suis retourné sur le serveur Pingas parce qu'apparemment il y a eu une mise à jour et ça va beaucoup mieux. On va voir ça. Bon pour l'instant je suis toujours entre 15 et 20 FPS malheureusement. Si vraiment ça va pas, ben, j'irai sur un autre serveur, tant pis. Donc du coup ben, là ben, je me retrouve à 13 517 dollars. J'en avais beaucoup plus la dernière fois. Je sais plus combien j'avais exactement. Et j'avais un pick-up et que je n'ai plus, malheureusement. Je n'ai absolument plus rien. Alors peut-être que je l'ai retrouvé, non. Non, toujours pas. Bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une mission de livraison pour me faire un peu d'argent. Et je vais prendre un quad, étant donné que il me reste toujours un quad. Donc. Il est possible que je vous dise des choses que je vous ai déjà dit il y a une semaine, parce que je me souviens pas totalement de ce que j'ai dit il y a une semaine. Du coup, ben là, on va faire une vidéo découverte pour que je vous montre encore d'autres choses sur ce jeu. En complément de cette vidéo découverte, je ferai bien sûr des apps régulièrement pour prendre les meilleurs moments en jeu, s'il se passe des choses intéressantes, bien sûr. Et voilà. Bon, donc on va faire une mission de livraison, histoire de se faire un petit peu d'argent, parce que là, sur le coup, ben, j'ai perdu pas mal d'argent. Alors des P17. Bon, comme vous le savez, ça d'argent, on peut le faire de manière, comment dire. Ah, des P17, c'est quand même vachement loin. Faut que je passe qu'à frontière. Ok. Alors pour se faire de l'argent, il faut soit faire des activités gang, soit Inge gang. Devenir flic ou devenir robin. Il y a plusieurs camps, plusieurs choix qui s'offrent à nous. C'est ce qui donne un côté intéressant au jeu. Donc avant de poser l'icône, je vais quand même poser l'icône au garage pour aller me chercher un véhicule. Voilà. Je pense pas avoir assez d'argent pour m'acheter un véhicule de toute manière. Et un pick-up qui n'est pas à moi. Je l'aurais bien volé, mais tant pis. Alors, j'espère que de votre côté ça ne bug pas trop. Moi j'ai des petits ralentissements d'FPS. Mais bon, on fait avec, on fait ce qu'on peut. Alors, il me semble qu'il y a du monde ici. Donc là, du coup, je suis à Attira, je suis pas à Kavaga, parce qu'à Kavaga, tout le monde spawn là-bas. Il y a beaucoup de bugs malheureusement. Donc je préfère spawner dans un endroit un peu plus. Ah d'accord, un peu plus safe. Ouais, c'est trop cher. Alors je vais au garage. Bah, le garage du coup, il peut-être derrière. Ça m'étonnerait. Ça c'est une supérette. Je vais quand même retirer un peu de liquide. Oh putain. Je vais retirer un peu de liquide histoire de me prendre un peu d'eau, des choses utiles. Alors on va retirer. Oula. 3 000 dollars. Allez. J'aimerais bien. Oh putain, c'est ça le garage ou. Ah d'accord, ok, garage de véhicule. Ouf, j'ai cru que j'avais plus rien. J'ai eu peur. Bon ben, je vais prendre le quad du coup. Si je le vendais, non, ça me rapporterait pas assez. Voilà, j'ai mon quad. Donc déverrouille. Super, je vais bien. Alors je vais faire place conducteur, c'est mieux. On reverrouille. Allez, on prend celui. On va essayer de faire gaffe là, parce que le quad c'est beaucoup plus difficile à conduire qu'un pick-up. Voilà. Alors. Y'a quelqu'un? Ah ouais, y'a quelqu'un. Bonjour, cher citoyen. Pas très bavard. Tant pis. Ouais, bonjour. Alors, on va prendre.
Deux bouteilles d'eau. Tout ce qui est pommes et tout, je peux largement en prendre sur la route. Quoique, on sait jamais, je vais prendre l'argent. Qu'est-ce qu'il y a ? On va aller au magasin général pour prendre de quoi réparer un véhicule au cas où. Alors eux, je sais pas qui c'est. J'espère que je ne risque rien. Du coup. Ouais, les phares. Sinon, je vais me faire arrêter. Tant que je suis pas sur la route, sur une route droite, je vais essayer de me concentrer parce que c'est très difficile de conduire en quad. Enfin, moi, je trouve ça vachement compliqué. Hein. Après, peut-être que je suis mauvais, mais bon. Alors, magasin général. Je vais prendre des premiers secours. J'en prends deux. Trousse à outils. Ah, j'ai plus de place. Merde. Ah ouais, mais j'en ai besoin de PS. Putain, il faut peut-être que j'aille. Oh, fais chier, faut que je prenne un sac. J'ai pas de sous. Putain, mais c'est qui klaxonne constamment? Ah, alors, peut-être qu'il y a la friperie de. Je vais aller chez Nebbing. Du coup. Désolé, c'était censé être plus rapide que prévu, mais là, j'ai des trucs à acheter. Tu pourrais arrêter de klaxonner constamment, s'il te plaît? Chez Nebbing. Alors c'est calme, c'est étrangement calme. Tiens, allez, là où toi. Voilà. Il y a vraiment une tête de Nebbing en plus. Merde. Waouh, c'est quoi ça, ce bruit? Désolé pour ce bruit, je sais pas d'où ça vient. Voilà. C'est bizarre ça. Encore un bug du serveur. Il y a pas mal de bugs sur ce serveur. Surtout que sur d'autres serveurs, je crois que je suis à. Sur certains serveurs, je dois être à 20-30 FPS. Celui-ci, je suis vraiment à. À 15, 10-20 quoi. C'est vachement. Je trouve ça chaud. Bon. Alors, on va poser un marqueur là où je dois aller, DP17 du coup. Bon, ça va être une mission très très basique pour se faire un peu d'argent. C'est vraiment en fait la découverte que... Il n'y a pas vraiment de vidéo découverte ce jeu. Étant donné qu'il y a tellement de choses possibles à faire que je peux pas vous faire une vidéo vraiment découverte. Là, je fais un peu une vidéo, disons, tuto sur comment se faire de l'argent. En vous expliquant un peu les bases du jeu. Après, nécessairement, vous allez apprendre au fur et à mesure. Hein. Il n'y a pas de secret. Et merde, je peux aller chercher. Shit. J'ai oublié d'aller chercher. Putain, je suis vraiment tintin quand je vais. Là, vu comment je conduis, je sens que ça va pas tarder. Je vais pas tarder à me prendre un. Allez, on sort.
Je disais, oui, où mon sac? C'est bon, j'ai bien un sac. Merde, c'est super raide, mais je suis con! Alors, putain, c'est où cette merde? Ouais, ok. On va remonter la route là. Voilà, la générale. Trouve ça outil. Ok, on en prend deux. Ça ira, je pense que là je suis bien là. Je suis très très bien. D'ailleurs, on va sauvegarder quand même. Allez. Et ben on est parti. Alors je sais pas par où, par quel route je vais passer. Où je suis où? En fait, il faudrait que je prenne. D'accord. À gauche. Et puis. Ah, ok. On va y aller un peu au feeling. On va essayer de faire la mission sans trop de problèmes. Hein. Il a bien changé de chemin, c'est vraiment chiant. Ça devrait le faire. Je trouve que le problème avec les véhicules, c'est qu'ils se cassent vachement vite, quoi. C'est super risqué. Si tu vas trop vite, en fait, et que tu te prends un mur, t'as le véhicule qui est poussié, quoi. T'as les pneus complètement démontés. Alors, je vais où, là? Ok. Prochaine à gauche. On va tout droit. Ouais. Ah, et on va essayer d'aller plus vite. Putain, le pick-up, je trouve que c'était beaucoup plus simple. Alors là, du coup, je vais où? Ah non, c'est bon, je vais tout droit et après je continuerai sur la route axe principale. C'est parfait. Je sais pas si il y avait où il y a pas. Ok, je vais où, c'est bon. Putain, il y a les flics. Ouais, c'était de rouler plus doucement. Enfin, c'est limité à 50 en plus. Ouais, on va essayer de faire ça tranquille. Ah, je sais pas si les flics. Bon, allez. J'espère que c'était pas un Robin ni un flic. En tout cas, je pense que sur le mur, il doit y avoir des flics. Donc, je vais devoir être contrôlé. Ben, c'est la première fois que je vais passer par le mur sur ce serveur, en tout cas. Je crois que c'est que sur ce serveur où il existe une sorte de mur. Putain, j'ai des bugs, c'est un truc de fou. J'ai failli me prendre un mur là. Sur le serveur, il y a un type qui a ici son micro activé. Je sais pas qui c'est. Bon, pas tarder à arriver au mur, je crois que je le vois là. Je crois que c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est par où qu'on passe par le mur? J'étais persuadé que c'était par là.
Donc on n'est pas loin de la frontière, donc là je vais pas tarder à la passer. Il y a déjà beaucoup plus de monde que tout à l'heure. On va voir un peu comment ça se passe. Bon, techniquement je n'ai rien d'illicite sur moi. Je vais quand même vérifier parce que je suis pas sûr, je me souviens pas trop de ce que j'avais dans mon véhicule dernièrement. Waouh, c'est quoi tous ces bugs? Ok, normalement c'est bon. Voilà, ça devrait aller. Ok, c'est parti. Normalement, ça devrait bien se passer. Allez, premier passage en frontière pour moi. Pas personne. Je vois personne. Bon, au moins il y a personne, je vais fouiller les environs. Le serveur de Boutamidi, mec. C'est qui ça? Putain, comment je fais pour fouiller ça même pas? Bon, apparemment. Putain, c'est le bon moment pour faire passer de la drogue. Pendant ma mission de livraison, je vais essayer d'aller faire un peu de drogue. Du coup. Voilà, si c'est possible. Je vais aller voir sur mon chemin. Ah, il y a le champ des ruines sur mon chemin, ça peut être une bonne solution. Oh putain, il y a plein de bugs, c'est hallucinant. C'est comme ça que je suis mort la dernière fois. Oh putain, ils avaient dit qu'ils avaient réglé les bugs, apparemment pas. Apparemment pas du tout. Bon, je vais passer par là et je vais essayer d'aller faire de l'essence. Je vais plutôt faire de l'essence de suite, car je me sens pas trop. Assez en fait. Ouais. Ravitaillement en cours. Ravitaillement terminé. Du coup, on va passer par le champ des ruines.
passe sur ce serveur, il faut une licence d'héroïne pour... Une licence de pro sim. Non, c'est pas. Une licence de pro sim pour faire de procédure pour faire pour traiter l'héroïne. Une licence de traitement, je pense que ça fait. J'espère que non, parce que ça fait quand même 20 000 dollars. Je ne les ai pas sur moi. Comme ça, sur mon chemin. Autant tout faire d'un coup, une pierre de coup, ça peut être pas mal. Putain, je vois rien, c'est tout ça. Oh putain, on se fait un peu chier quand même. Je pense que c'est un jeu où il faut vraiment jouer à plusieurs quoi. Ça en fait quand on joue tout seul, quand on se fait vraiment chier. En fait, moi où je me suis plus amusé, ça paraît con, mais là où je me suis vraiment plus amusé, c'est quand je n'avais rien et que je m'amusais à arrêter les gens sur la route pour les faire chier, tout simplement pour leur demander, pour leur proposer de faire des trucs risqués quoi. Voilà quoi, vraiment quelque chose de chaud. Ah, c'est vrai que sur le coup. En fait, sur ce serveur, soit on se connecte le matin et il y a 30-50 personnes, ce qui fait qu'on croise quasiment personne. Soit on tente de se connecter le soir, mais souvent le soir il y a 100 personnes et c'est blindé, et il n'y a que des places réservées, c'est impossible. Ouais. J'espère que je me ferai pas choper. Cueillir de l'héroïne. Putain, en plus, ça peut rapporter pas mal tout ça. Ça rapporte beaucoup plus qu'une mission de livraison basique. Par contre, je pense que pour la licence, il va falloir que je retire des sous. Oh, c'est du cannabis ou héroïne? Faut savoir. Alors, on se retrouve. Ça y est, j'ai fini de cueillir l'héroïne. Autant que j'en ai quand même. J'en ai 3 sur moi et je dois avoir au moins 14 kilos d'un véhicule, bref. Oui, qu'est-ce qui se passe avec un véhicule? Oh, il y a un véhicule ici. Ah bon. On va éviter. Hein. Quoique, c'est tentant d'aller voir. Ouais. Du coup, la héroïne se fait traiter. Ouf, je retourne ici. Bon, tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma mission de livraison, parce que bon, tant qu'à faire, j'y suis, quoi. Et en espérant ne pas me faire choper par les flics, parce que là, du coup, si je dois passer la frontière, ça va être chaud patate. Faut que je vende la cocaïne. Faut l'héroïne, putain. Brut, quoi, sans avoir traité, quoi. Bon, tant pis. On va faire ce qu'on peut. Venga.
y a rien là pour moi. Putain, il fait nuit encore. La vie était fort. Et puis je me fais arrêter parce que j'ai pas eu de effort. Ce mec, bon, les gens, je pense que dès que j'aurai fait la livraison, on va arrêter la vidéo là. Je fais la livraison et on arrête. Pour ce qui est du traitement de l'héroïne et de la vente, ben, je vous invite à aller regarder le zap, mon premier zap sur Anti-Skype, où j'explique, où on voit en fait la procédure pour pouvoir vendre de la drogue, tout simplement, et la traiter et la vendre. Voilà, tout simplement. Par la suite, ben, je réaliserai peut-être des apps sur Anti-Skype, mais et sûrement, même c'est même sûr, sur d'autres jeux, pas forcément sur Anti-Skype. Si vraiment il se passe des choses intéressantes, pour l'instant, c'est vrai que je m'ennuie un petit peu. Mais bon, c'est là, parcourir des routes et des routes constamment et attendre que le temps passe, c'est simple. Ah, super quoi, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un guichet bancaire pour rien? Ah putain, cette carte est affreuse. Superette, station. Pas de guichet bancaire? What the fuck? Bon, guichet bancaire, il y en a un de son. On va continuer. Ouais. C'est quoi faire plein là-bas, moi. Non, il n'y a pas de quoi faire plein. Mais si, il y en a un de guichet bancaire. Hein. Galère de conduire pour oh, quel casse-tête. Oh, ils verrouillent pas avec les gars. Merci. $2000, vraiment, c'est rare. Allez, on fait plus. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on est enfin arrivé à la zone de livraison. Alors, peut-être en même temps, après, c'est aussi les missions de livraison qui sont super chiantes parce que aller d'un point A à un point B, c'est vraiment la règle, des règles basiques d'un jeu vidéo, quoi. C'est une des règles plus ennuyantes à effectuer. C'est que ça que je dois guider la chose. Bref, peut-être que quand j'aurai un peu plus d'argent et que je m'engagerai chez les rebelles ou chez les flics, je m'amuserai un peu plus. Brincouille. $23,000, ouais, bah putain, je préfère vendre de la drogue bien.
Alors du coup... Ouais, on va dire le brogue. Quoi que je prenne des cures. Arrête de bouger, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge oui, pas mec. Oui, 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 j'ai compris. Descends de ton véhicule. Descends de ton véhicule. Allez, descends de ton véhicule, tout va bien se passer, t'inquiète. Contact, ok. Rifleman. Tu fermes pas ton véhicule, hein. D'accord, d'accord. Ok, c'est cool, tout va bien se passer, on est là pacifiquement, t'inquiète. Est-ce que tu peux me donner la clé de ton véhicule, s'il te plaît? Très bien. Mais merde, putain. T'as une arme sur toi? Non, j'ai rien. Non, non, j'ai rien du tout. Je suis livreur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis livreur. Livreur de quoi? Bah, je livre des colis. Tu livres des colis aux revendeurs ici? C'est ça, ADP-17. Et pourquoi tu t'es arrêté au dealer de drogue? Bah, comme je viens d'arriver au pays, je voulais voir un peu les environs. Ouais, je vais prendre toutes tes communications radio, ton portable, tout ce qu'il y a. Tu peux plus parler à personne. D'accord, d'accord, très bien. J'ai un détecteur de métal, je passe tout au crible sur ton quad. Il y a rien qui m'échappe. D'accord. Ok, bah ça me semble bizarre quand même que tu viennes ici au revendeur de drogue. T'as vu notre camion? Oui, j'ai vu votre camion. Ben, à vrai dire, je cherche un peu à voir quel métier pourrait plus me rapporter. Les temps sont difficiles et j'ai du mal à me faire de l'argent. Disons qu'on vient d'exploser mon pick-up, alors j'essaie de me refaire un peu. Bon, y a un petit souci, mon ami, c'est que t'as de l'héroïne sur toi, tu te fous un peu de ma gueule. Je ne vais pas te contredire. J'ai bien d'héroïne sur moi. Pourquoi me mentir et me dire que tu fais des missions de livraison? Tu sais, ça aurait pu mieux se passer que ça, hein. Oh, j'ai pas vraiment menti. Là, maintenant, je peux pas avoir confiance en toi, c'est ça le problème. Et si je t'en donne? Pourquoi les noms traités déjà? Qu'est-ce que tu fous ici? Disons que je suis au champ d'héroïne et je cherchais à traiter l'héroïne, mais comme j'avais une mission de livraison, je me suis dit que j'allais livrer d'abord mon colis pour par la suite repasser la frontière et traiter l'héroïne pour la revendre à un digger. Et ça, c'est la vérité, par contre. Ah, je veux bien te croire, je veux bien te croire. Sans là, j'ai plus d'intérêt à mentir. Un peu, quand même, cette histoire. Hein. Tu sais, nous, on est un club pacifiste. On n'a pas envie de mal se faire voir. Et toi, t'as de l'héroïne sur toi. Tu me le dis pas. Ça me chiffonne. Ah, je comprends tout à fait. T'en as dans ton sac à dos? Oui, j'en ai. J'en ai 3 kilos. T'en as combien? 3 kilos. 3 kilos dans ton sac? Quoi, je... Ah, tu vas gentiment me les donner, hein? D'accord, très bien. Connard. C'est dommage que tu nous aies menti, tu vois. Nous, on n'a pas pour but de prendre toute une cargaison, mais là... Là, tu nous y forces, hein.
Oui, je sais bien. Nous, on je aime sais bien les gens réglo, hein. Je comprends tout à fait. Voilà, donc il comme mon reste collègue sur vous l'a toi, dit, non? monsieur. Comment? Comme mon collègue vous l'a dit, nous aimons l'honnêteté, la franchise. On compte pas vous faire de mal, hein. Vous allez conserver votre quad. Je vais même vous faire une fleur, je vais vous le réparer parce que je vois qu'il y a une petite roue qui est voilée. C'est Donc la prochaine fois que vous tombez sur des membres du Copacabana Club, monsieur, bah dites la vérité, hein. Ça fera moins mal. J'avoue que je pensais avoir affaire à des rebelles et j'ai eu peur de dire la vérité. Non, 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 on n'est pas des rebelles, non, monsieur. Disons que Vous c'est la allez tomber, hein. première fois que je me fais interpeller, donc. Ah ben, nous sommes qu'un club pacifiste, hein. Regardez, on n'utilise pas nos armes, hein. Oui, je veux bien vous croire. Bon, alors, il te reste une héroïne dans ton sac, on va dire que c'est ce qu'on te doit. D'accord. Écoute, tu nous as jamais vus et tout se passera bien. Très bien. Bon! Oh putain! Ça s'est mieux passé que prévu, mais bon, ça aurait. Ils m'ont rien laissé, quoi. Oh putain, je le sentais mal en plus. Je mangeais la queue. Oh, chier. Aïe 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 aïe. Bon, du coup, qu'est-ce que je vais prendre un peu de. Ouais, je me soigne en fait. Mais comment faire pour se soigner? Chier. Putain, je vois rien en plus. Oh, c'est mon véhicule. Bon, ils m'ont rendu une quad, mais ils m'ont pas rendu une queue. Aïe, aïe. Quoi que. Merde. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon ben voilà, ça arrive qu'il se passe ce genre de choses aussi. Oh putain. J'allais vite mettre l'argent à la banque avant de me faire un. Putain, j'arrive pas à avoir accès à ATM. Pas vrai, je suis en train de parier au micro. Bon, j'ai des sous, c'est déjà ça. Bon, ben, c'était chaud, très chaud même. J'ai quand même livré ce que j'avais à livrer. Malheureusement, ben, j'ai plus l'héroïne.
Ils m'ont tout pris. Bon, et bien les amis, c'est un peu un aperçu de ce qui peut arriver sur Antiscrife. Malheureusement, ben, quasiment toute la vidéo, il s'est pas passé grand chose à part ben, au début et à la fin. Donc ben, j'espère que ça vous aura plu tout de même. Et ben, je vais essayer de faire des apps intéressants, si se passe des choses intéressantes, ben, si se passe rien, tant pis, il y aura pas de zap, parce que les apps étant vraiment un aperçu des meilleurs moments, il faut qu'il se passe des choses pour que je puisse en faire, tout simplement. Ben, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à une prochaine sur HD Reaper TV. Ciao tout le monde!